Le gage de Cali. Eh bien, le gage de Cali, c'est qu'elle va devoir se mettre le plus de pince à linge possible. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les garçons qui ont battu les filles? Wow. Bravo! Ouais, on est champions! On est champions! Allez, hop, pince à linge! Vous allez pouvoir revenir à l'école lundi. Non, allez, Calice, pince à linge pour toi. Donc il faut que tu t'en mettes 10 sur le visage. C'est ce qu'on préfère. Hein. Alors excuse-moi, Kevin. Mais je t'en prie, Une. Oui, ça fait mal. Gwendal et moi, on a très très mal quand on le fait à chaque fois. Tu peux le faire. Deux. Ah non, deux, même pas, il y en a 10. Bon, on n'est pas couchés, les gars. Pendant que Calice est en train de mettre ses petites pinces à linge, si on reprenait toutes les questions de nos chers et tendres youtubeurs qui sont en train de vous regarder. Alors, première question. Est-ce que vous êtes bon à l'école? Ils nous ont dit, toi oui, et toi? Par contre, je suis un peu mauvais en maths. C'est pas vraiment grave. Et la matière dans laquelle t'es le meilleur? J'ai trois matières. T'écoutes, c'est quoi? Science, géographie, histoire. T'as trouvé ton micro, c'était trop mignon, il cherchait son micro. Science, géographie, histoire. D'accord. Est-ce qu'il y a un métier que vous voudriez faire plus tard, les garçons, au lieu de star YouTube, certainement, mais à côté? Tu veux faire quoi, toi? Ça vous intéresse de continuer dans les trucs YouTube? Peut-être, je sais pas, être comédien. Ça m'intéresse, faire une nouvelle chaîne gaming quand je serai grand. Tu veux faire une nouvelle chaîne gaming? Moi, sinon, après, j'ai trois autres métiers, j'hésite. À trois? Ouais. Pompier. C'est quoi le premier? Pompier. Gendarme. Policier. C'est un peu pareil. Des corps de sécurité, très bien. Donc pompier, gendarme ou policier. Alors, après, beaucoup de questions, forcément. Est-ce que je vais vous la poser à vous, les abonnés? Je suis tout de plus en plus petit, moi. Si vous voulez voir la maman qui filme, au moins 3 secondes, mettez maman, écrivez maman. Et si vous êtes sans avoir écrit maman en gros et gras, eh ben on fera tout pour vous la faire venir dans la régie à côté de moi. OK? Exactement. Ok, mais je vous souhaite bonne chance, hein, en tout cas. C'est vrai. Elle va pas se laisser faire. Avec, hein. Avec des mamans, parfois. Il a déjà Allez, on y va. 1, 2. J'en ai 2 pour l'instant. 3. Les gars, c'est quoi? Quelle vidéo a fait que ça vous a propulsé d'un coup et que vous avez gagné plein de followers d'un coup sur YouTube? Moi, c'était David Lafarge. Avec David? Si. La maman dit non. Il n'a pas compris. Ce que je voulais dire, c'est la vidéo que tu as fait et qui a fait que les plein de gens qui sont venus d'un coup sur votre chaîne. Moi, Docteur Adèle. D'accord. Et hop là, tac, tac, tac. Boum. Là, oui, j'avais quand même oublié la pauvre Calice à côté qui va se mettre des pinces à linge. T'en as mis 3, 2 sur le nez, 2 sur la bouche. Ma Calice, on va dire que c'est bon, hein, parce que je crois que t'as bien morflé là. Attends, c'est pas bon, là, on a que 4. D'accord, très bien, elle continue. Et je vais faire reprendre en rafale des questions du chat live. Votre série préférée, les enfants? Je dis les enfants, mais bon, vous êtes les stars de YouTube, donc je vais pas dire messieurs. C'est quoi votre série préférée? Il les aime, lui. C'est quoi? Ben, moi, c'est Bones. Bones, très bien, ok, sur M6. Et toi? Non, c'est sur W9. W9, même si c'est pareil, c'est le même groupe. Et toi? Les Simpsons. Et les... Pareil, ok. Moi, sur c'est W9 pareil. Aussi. Très bien. Votre film préféré? Oula. Moi, de Brian. J'en ai deux. C'est le Prince Aladdin. Le Prince Aladdin, ok. Et moi, moche et méchant. Et moi, moche et méchant. Lou Geek nous dit, est-ce que YouTube, ça vous a aidé à avoir des amis ou à rencontrer des gens? Vous avez rencontré des gens par Internet, des amis, des potes avec qui vous faites des challenges? Ouais, j'ai rencontré des potes que je connaissais pas en CM2. Ouais. En fait, il y en a qui sont pas dans ma classe, mais ils sont en CM2. Et je suis devenu copain avec eux à l'école. Et on joue souvent avec eux. Super. Et toi, ça t'a permis d'avoir des nouveaux... T'es un petit peu petit encore pour parler sur Internet, j'espère. Alors, il y a la maman derrière, mais tu es un petit peu petit. Mais tu nous diras ça plus tard. Vous êtes en quelle classe, ils nous l'ont dit, si je me trompe pas? CM1. CM1 et... CM1. Bien. Qu'est-ce que tu fais? CM1. Allez, se partage tous les deux les pinces à linge. CM1. Tiens, Calice, tant que t'es là, on nous demande si tu es un amoureux depuis la dernière fois. Oui? C'est le même que tu nous disais au Zénith, tout a changé depuis? C'est le même que depuis. C'est le même, très bien, Alice, c'est fidèle et constante. Êtes-vous chatouilleux, nous demande Marie-Joule. Marie-Joule? Marie-Joule. C'est un pseudo. Joule. Est-ce que je suis chatouilleux? Comment tu fais? Montre-moi. Moi, je suis comme ça. Non. Vous le faites en même temps, tous les deux? Ok. Attention, 1, 2, 3. Joule. Parfait, très bien. Est-ce que vous êtes chatouilleux? Un peu, moi. Un petit peu, et toi? Est-ce que vous faites toujours des câlins à votre maman? Oui. C'est vrai? Des gros câlins encore? Des gros câlins. Ah, c'est vrai. Et des bisous.
des bisous, mais toi c'est normal, t'as encore un petit peu l'âge, mais toi c'est bien que tu fasses encore des bisous à ta maman, parce que ouais. Généralement, tu peux être contente la maman. Pourquoi il y a ça dans... Si je sais pas, c'est Joanne qui a dû jouer encore avec les personnages, ma chérie, qui a mis ça dedans. Et elle fait n'importe quoi. Ça y est, ah. Alors Joanne, on a un résultat pour Calice. Ah, oui, c'est pas le visage. Quoi? Eh bien regarde là, elle est, je pense que c'est...